Bon, j'ai mon casier qui est plein. Il faudrait que je m'allège, mais je ne peux plus. Parce que mon casier est plein. Comment faire? Je dois trouver un autre casier. Non, mais je peux pas, c'est rouge. C'est rouge, ça ne m'appartient pas. Peut-être aller vider ça dans une maison. Donc je crois qu'on ne peut pas. On ne peut pas transférer des choses. Il fait encore nuit. Il fait encore nuit. J'ai soif. On va boire un coup. Manger. Donc faut toujours manger ce qu'il y a de plus, enfin pourcentage le plus bas. Voilà. Et nourriture pour chien. Je sais pas si on peut tomber malade avec ça. Voilà. Ça a pas l'air. Ok. Bon. Alors, où en est-on? C'est très simple. On a fait les quêtes que cette madame qui s'appelle Grandmother, la mère grise, nous a données. C'est la seule survivante du village dans laquelle je suis, Milton. Et donc, elle nous a demandé plusieurs choses. De la fournir en bois pour qu'elle passe l'hiver. Donc on a été lui chercher du bois. La fournir en denrées que l'on devait mettre dans son frigo. Et moi, comme un con, bah, j'ai vidé tout mon sac. Enfin, toutes les réserves que j'avais faites de nourriture, je les ai mis dans le frigo. Et j'en ai mis beaucoup trop. Du coup, ça a validé la quête. Puis le frigo est devenu rouge, c'est-à-dire que je ne pouvais plus reprendre les denrées en trop que j'avais mis. Parce que c'est devenu rouge, donc... inaccessible, ou sinon je vole. Donc, du coup j'ai perdu beaucoup de nourriture à cause de ça, mais la nourriture est pas très très est assez facile à trouver, je veux dire, parce que je suis en mode facile. Et maintenant la quête que m'a demandé la mère Grandmother, c'est d'examiner le tunnel qui quitte Milton, parce que elle pense que la femme que je cherche, Astrid, est là-bas. Donc on va aller voir. Le problème c'est qu'il fait encore nuit et c'est dangereux de sortir la nuit, même en mode facile. Et le problème c'est que le seul casier que j'ai à ma disposition, c'est ça. La vitrine là. Et le problème c'est que la vitrine est pleine. J'ai tout mis dedans. On va faire un tour. Le menu est pas super pratique. Hein. Sur la carte. Donc moi je suis ici, la maison à Milton, où il y a la vieille. Je suis allé voir là-bas. Il y avait un coffre avec des trucs pas mal dedans. Sachant que nous on vient de là, hein, je crois. Enfin, on vient de par là. Ou du crash de l'avion plutôt. On vient de par là, je pense. Ou de par là peut-être. C'est possible qu'on vienne de par là. Ensuite, on a été à l'avion. On a passé le pont. On a atterri en suivant la route à l'église Saint-Christopher. Quand il fallait lui la fournir en denrées alimentaires, qu'on pouvait aller braquer la station-service qui avait encore des ressources là-bas. Et je n'y étais encore jamais allé. Donc, on va peut-être passer d'abord à la station-service avant d'aller voir la quête. Les fameux tunnels effondrés. Et par là, je ne sais pas du tout ce qu'il y a. Je n'ai jamais été fourré mon nez dans le coin là-bas. Ni ici. On va aller voir. Et c'est peut-être... c'est peut-être là. Le but de la mission. Bon, on va y aller.
Il faut en tout cas trouver sur un chemin un conteneur où je peux mettre des trucs. Ça devient compliqué de stocker les choses, hein. Que là, j'ai trop de choses sur moi. Peut-être dans une maison à côté. On pourrait trouver une sorte de tiroir ou c'est quoi? En face là-bas, il y a une maison. Souvent, il y a des loups qui traînent ici la nuit. Mais je ne sais pas pourquoi ils m'attaquent. Alors que quand j'ai lu les différents modes qu'il y avait, dans le mode facile, il y a marqué que les loups n'attaquaient pas spontanément, si on ne les attaquait pas. Or, il y a un loup qui m'attaque à chaque fois que je passe, alors que je ne lui ai rien fait. Hein. Alors, on est là. Le problème, c'est qu'il fait encore nuit. On va peut-être laisser passer le temps. Une heure, là. On va laisser passer une heure de temps. Voilà. Ok, il fait jour. Alors là, c'est là où il y a le coffre-fort, machin. Moi, j'aimerais voir si on pourrait pas trouver un endroit pour stocker des trucs. Cette poubelle. Dans ce bureau. Ah, il y a des touilles. On a tout stocké là-dedans. On peut stocker. On peut stocker 10 kilos là-dedans. Bon, on a qu'à stocker des trucs là-dedans. Comme ça, ce sera cool. Alors, tout ce qu'on n'a pas besoin. On garde un peu de bois, toujours. Un morceau de charbon. Ça, on n'a pas besoin de 3 conserves. 2 suffisent. On a de l'eau. Là, les fagotins. On n'a pas besoin d'autant de fagotins. On va en garder 3. Donc on va en transférer 11. J'ai pas l'impression de faire beaucoup de feu. On va juste garder une fusée. Est-ce qu'on a besoin de ça? Je pense pas. La fourrure, on n'a pas besoin. Ça, je sais toujours pas comment réparer ça. Là, on a un tas de viande. On va en garder 2 quand même. Si jamais il fait faim. Elle est cuite, on va le laisser là. Ma hache qui commence à s'user aussi. On va garder 2 bouquins, je sais pas. C'est lourd quand même, hein, tout ça. C'est vraiment hyper lourd. Des pêches au sirop poussiéreuses. Ça, il faut cuire. Ah oui, c'est vrai que j'ai trouvé un pied de biche. Ça, c'est nouveau, ça. Des champignons qu'il faut cuire, je crois. Ah non, c'est pour faire une boisson, je crois, les champignons. Une tasse de café, super. Ok, on est à 21 kg sur 30 kg, je pense que ça va. Ouais. Ok, après, il faudra pas oublier qu'on a tout mis là-dedans. Le problème, c'est qu'un jeu de survie où t'as trop de choses, bah, c'est plus un jeu de survie. En même temps, on est en mode facile. Allez, c'est parti vers la station-service et le tunnel. Donc toutes ces maisons-là ont été explorées. Enfin, pas toutes. C'est vrai, j'ai pas tout exploré en fait. Mais bon, je n'ai plus besoin d'explorer, je crois que j'ai assez de choses. Ça, c'est exploré, là-haut, c'est exploré. J'ai exploré. Juste là, les maisons du fond, j'ai exploré. Ça, je crois que j'ai pas exploré, donc à partir de là, j'ai arrêté mon exploration. Mais je crois que c'est venu de là. Non, on va essayer d'ouvrir avec le pied de biche. Alors, oui. Oh là là, il y a des problèmes de boutons là. Donc le journal, ça permet de faire du feu. Mes jauges sont bonnes, j'ai la vie à donf.
Et la station essence est par là-bas. Qu'est-ce que c'est ici? Le réservoir de fuel. On va ramasser quand même un peu de bois, on ne sait jamais s'il faudra faire du feu dans le tunnel ou pas. Allez là-bas, la station essence. 1000 tonnes. Estimation 1911 habitants. Le tunnel est par là-bas. Alors, je te disais, tous ces arbres qui ont été coupés. Peut-être des bûcherons qui travaillent ici. Mais d'habitude, les bûcherons ne coupent pas les arbres qui a. Oui, un cerf là-bas. Qui est en bordure de village. Donc c'est ici que la vieille nous a demandé de prendre le billet de biche et d'aller défoncer la... Et c'est vrai qu'elle est... Elle est fermée. Ah ouais. On va peut-être pas y aller en fait. On ira seulement si vraiment on est dans l'urgence. Donc là, il y a deux chemins. Où est le tunnel? Voyons voir la carte. La station est censée là. C'est à gauche. C'est par là, je pense. Bon, il est là. Il est vachement encombré. Hein. C'est des arbres qui sont tombés, je pense. Ce qui est fou, c'est tout ce bois qu'il y a ici et que je ne peux pas récupérer. Alors que j'ai une hachette. Mais bon, une hachette, c'est vrai que ça ne coupe pas un tronc de bois. Mais une hachette pourrait découper assez facilement les palissades, là. Et je ne peux pas le faire. Je trouve ça assez moyen. Alors, est-ce que Astrid est venue ici? Oh merde, il y a un cadavre, là. Épave de transporteur de prisonniers, merde. Il y a un bus de prisonniers qui s'est crashé, là. Petit cadavre. Il est vide. Allons voir ça. La manette. Bordereau de transport de prisonniers. Un bordereau ordonnant le transfert de prisonniers au pénitencier fédéral de Black Rock. Les détenus suivants doivent être transférés immédiatement au pénitencier fédéral de Black Rock. Arrivée prévue, novembre machin. Effectif total 12 détenus, antécédents médicaux connus, aucun. Kowalski, il y a un Kowalski. Je sais pas à quoi ça sert ça. This'll come in handy. Une fusée. Ah, des analgésiques. Ah, cinématique. Est-ce qu'il y a des survivants là-dedans? Perseverance. Alors, mise à jour du journal. Examiner le tunnel qui quitte Milton, Greymother, et savoir ce qui s'est passé là-bas. Donc, il faut que je retourne voir Greymother, je pense. Pour lui faire un petit compte rendu. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Est-ce qu'on peut
peut rentrer là-dedans, je pense pas. Hein. Et là, on ne peut pas avancer, j'ai l'impression. Complètement bloqué. Je pensais qu'il y aurait eu des nouvelles d'Astrid. Hein. Tu peux démarrer. Livrer ce paquet ici. Ok, bien sûr. Vive les pubs. Donc là, on peut rien faire. On peut pas lui voler ses godasses. Des nuages de fou. Ouais, donc ça signifie toujours qu'il y a une dépouille quelque part. On va baisser le son. J'avais pas baissé. Si, si, hein, je m'en rappelle. J'avais baissé la dernière fois. Alors bonjour à ceux qui viennent. Donc on est sur The Long Dark, un jeu de survie dans la neige. Ok, donc ce bus de prisonnier, cadavre, il n'avait rien sur lui. On va retourner voir Greymother. Ou peut-être qu'avant de retourner voir Greymother, on pourrait aller voir par là s'il n'y a pas quelque chose. Surtout qu'il y a un petit chemin là. Et qu'on a le temps. Il n'est même pas midi. Ça fait qu'il galère autant à marcher là. Il y a quelque chose là-bas. Ça a l'air d'être une habitation. Ah, un pick-up. Un lapin. Alors j'ai jamais réussi à tuer un lapin. Ah si, une fois. Oui, j'ai réussi à tuer un lapin une fois, c'est vrai. Attends, il y a des marques de sang sur la portière. Oh, des clés. Ah, le clé de coffre bancaire 20, faudra que j'y retourne. Ça, c'est cool. Ah, nouvelle mission. J'ai pas compris ce... Ah. Annexe. Ouvrir le coffre numéro 20. Ok. Mais là, j'ai plus de mission en fait. On va pas retourner voir Greymother. Il y a des chiottes. Attends, je crois que je suis déjà venu ici. J'ai dû me perdre une fois. On va aller voir la petite cabane là-bas. Avis du parc. Un vieil avis du comité de direction de Milton and Area Parks, punaisé au panneau d'affichage, il est visiblement là depuis longtemps. L'usage de la zone d'escalade dans l'enceinte du parc. Ok, ça ne sert à rien. C'est un peu du lore qu'il y a dans le jeu. Mais bon, ça, c'est pas très utile. Où était la petite cabane? Là-bas. J'ai l'impression qu'il y a de la lumière, non? Non, non, je dois rêver. Mais elle est vachement éclairée.
Et là-bas, c'est quoi? Jamais vu ici. Ah non. Qu'est-ce que c'est que ça? Excellent. Ok, un petit soda. La truc, je t'ai pas vu, toi? La petite pile de papier. Ah! C'est toujours cool. What have we here? Un stimulant, ça, c'est la première fois que j'ai ça. Défensement, toujours bon à prendre. Les fusées de détresse, je sais pas si ça sert à quelque chose, franchement. Ils sont cachés un peu partout. Une capuche polaire, mais c'est cool ça. Qui couvre la tête, mais pas le visage. Porté sous un vêtement plus chaud. On va voir. Ah, mais il y a carrément une couche ici. Thank goodness. Et un téléphone. Qui ne peut pas être utilisé. La ferraille, je sais pas à quoi ça sert. À mon avis, à faire du craft. C'est vide, monsieur. I wonder if this is any good to eat. En tout cas, ici, on peut faire un petit bivouac. Il y a un poêle, on peut mettre du feu, on peut dormir. Mais bon, il n'y a pas de porte. C'est un peu le problème. Desolation Point. Je ne connais pas du tout cet endroit. Ah, la petite marquée là. Climbing Area. Ah, ben c'est la fameuse zone d'escalade qui est interdite. Alors, petit air de pique-nique. Il n'y a pas grand-chose ici. À part une belle vue. Ah ouais. Mais ça, je crois qu'on est passé par là. Hein. Non? Enfin, tous les paysages se ressemblent. Ça, c'est fou. On est mi-jauge, tout va bien. Où est-on ici? On est au parc de Milton, je pense. Hein. Espace pique-nique, ouais, on est là. Ok. On va revenir à la maison. On peut essayer de descendre par là, voir ce qu'il y a. Ouais, non, on n'a jamais été ici. C'est la vue qu'on a. Il commence à faire froid. Mais on est pas mal en point là, donc tout va bien. Ah, on voit encore une maison en contrebas. Est-ce que c'est Milton là-bas? Faudrait pas tomber. Est-ce que c'est Milton là-bas? On va redescendre. Il y a une caméra de surveillance ici. Ah mais ça devait être le bureau du parc. Allez, on va redescendre vers Milton mais en longeant par la gauche. Pour explorer un peu. Donc là-bas, c'est la station essence. En fait, c'est tout petit. Ah, il y a des serres là-bas.
À mon avis, on peut crafter des armes. Rien qu'avec le fer, je pense que... De me faire une lance ou un truc comme ça. Mais je sais pas le faire, ça encore. Il y a une petite cabane là, au fond, on va aller voir. Et par contre, faut pas que je me perde. Milton doit être par là. Ensuite, on ira revoir la vieille. Elle nous file une autre quête. Faire attention là, aux rivières gelées, ça peut être dangereux. Ah, des baies pour un bon thé. Ça a l'air d'être une annexe au village en fait. C'est un truc de paysan. C'est quoi cette tour là-bas? Ouais, c'est ça, c'est les fermes. C'est les fermes. Donc on doit être... Ah bah ça doit être ça je pense. Les fermes, ça, ici là... Le chalet isolé et là les fermes. Ouais, c'est totalement ça. On va peut-être passer la nuit ici. Hein. La ferme de Paradise Meadows. Et est-ce qu'il s'est mis du coup sur la carte? Ah bah oui, c'est ça. Ferme de Paradise Meadows. Ah bah c'est pas loin du village en fait. J'ai pas vu la route. Petit tracteur. Ah. Il y a des animaux partout. Il y a un truc dans la voiture là. On va aller voir ce que c'est. Truck seems to be dead. Engine won't even turn. Clé de la ferme de Paradise Meadow. Ça, ça va me servir ça. Au lieu de forcer les portes comme un gros sagouin. Je crois que j'aurais pu laisser quelque chose. Hein. Petite barre de céréales au moins. D'ailleurs, en parlant de ça, on est mi-barre, mi-jauge, ça va. Allez, on va aller cambrioler la ferme, tranquille. On a les clés. Allez, on ouvre. Hello, y a quelqu'un? Je suis un touriste. Oh, c'est joli là-dedans. C'est joli. La petite télé. Ah, petit tissu. Les tissus, ça sert toujours. Hein. Faire des pansements. À réparer nos habits. Petit livre, ça brûle bien ça. Nécessaire à couture, j'en ai pas besoin, quoique. Je sais pas si à force de s'en servir, les trucs s'usent. C'est possible. Et dans les chiottes, toujours, on peut prendre de l'eau. De l'eau potable en plus. Donc ça c'est bon à savoir, c'est si jamais il y a l'apocalypse qui arrive, eh bien il faut boire l'eau des chiottes.
Ah, une planche. On peut prendre du bois grâce à notre machette. Pas marqué combien je suis au niveau du poids là. Ah merde, non, je suis presque en surpoids. Alors là, le poids de mon sac à dos est en rouge à 29,91 kg. Je pense que c'est parce que je commence à me à être fatigué. Ouais, c'est pour ça. Et plus on est fatigué et plus la. Bon, on va peut-être passer la nuit ici, hein. Alors, quoi qu'on a le temps. That'll come in handy. Oh, des bottes de marche, mais elles sont toutes pourries. Il faut du cuir pour les réparer. Laisse tomber, quoi. Qu'est-ce que ça? Un balai. Je suis bientôt, je pense. Il y a pas mal de trucs là pour faire du feu, dis donc. Oh, une lampe, c'est bon ça. I think I can use this. Ouais. Je m'équipe. Mais maintenant je suis en surpoids. Et du coup je vais me fatiguer beaucoup plus vite. This will come in handy. Non, mais ça je vais pas prendre. Franchement, les papiers j'en ai largement trop. Oh, ça c'est pas mal ça. Ah, ça aussi c'est pas mal. Ils sont en bon état. I'm gonna have to leave something behind. Le problème c'est que j'ai trop de choses là sur moi. Des moufles en laine à 30%. Non, je crois que je vais pas prendre ça. J'aime mieux. Le bureau. Il y a vraiment beaucoup de choses ici, hein. D'habitude, les maisons, il n'y a pas grand chose. Et là, franchement, ça fait plaisir. Même si je ne peux pas tout porter. Là, je crois que je vais manger un truc. 74. 51. Je vais manger ça. Une boîte de sardines. Non, je vais manger. Ouais. La boîte de sardines. Et je vais peut-être boire un coup là. J'ai largement beaucoup d'eau. Et voilà. On est toujours en surpoids malgré tout ça. Ouais. Alors. Donc le bonnet. 52%. Oh, il est pas mieux celui-là. On peut toujours le réparer. Hein. Excellent. Alors, un petit drapeau du Canada. Ouf. Merde, une clé de coffre. Où je peux choper ça, moi? Alors là. I need to drop something. Non mais écoute, tu vas porter ce que t'as. On va aller tous décharger dans les maisons au village. Papier, j'en ai plus besoin. Ouais. En fait, je sais pas pourquoi je fouille parce que j'ai tout ce que je veux. Bouteille d'eau. Okay. Une facture d'électricité. Cher Mr. Barker. Votre compte Mainland Power Corp souffre maintenant d'un important retard de paiement. Votre arriéré a en effet atteint un montant de 1256,45 dollars. Ok. Ouais. Il y a un truc là. Petite barre chocolatée. Mais c'est immense ici à explorer, putain. Ça, j'ai déjà l'ouvre-boîte, je m'en suis jamais servi. Je sais même pas à quoi ça sert.
This stuff will come in handy. On fouille. C'est passionnant. Soupe de tomate. Le poêle. Ah, le faitout, j'en ai déjà. Puis c'est hyper lourd. Ah. Hope I can still eat this. On va prendre les trucs à bouffer là. Et j'ai pas trouvé la clé. Je n'ai pas trouvé la clé. Bien sûr. Note d'un voisin. Salut Martin, on a retrouvé Molly. Alice était sacrément soulagée. Merci de ton aide pour les recherches. Ce coup-ci, on dirait qu'un loup l'a pourchassé. Il y en a de plus en plus depuis le tremblement de terre et il se rapproche du village. Sans doute parce qu'il y a moins de monde pour les tenir à l'écart. Molly est blessée, mais ça devrait aller. Fais attention à ton chien, ils vont peut-être s'en prendre à lui aussi. Je connais tes convictions, je sais que tu refuses Mordicus de tirer même sur un loup, mais il paraît qu'il n'aime pas les bruits forts. Une fusée de détresse pourrait faire l'affaire. Prends bien soin de toi et passe nous rendre visite quand tu pourras. Ce n'est pas bon de rester trop longtemps seul. Ah, ça c'est du bon lore parce que ça t'explique que quand tu vois des loups, eh ben il faut envoyer une fusée de détresse, ça je savais pas. Ah voilà. Il est à 24%. Allez, on va se barrer de là. C'était... Ouh, du beurre de cacahuète. Putain. Allez, on va se barrer, on est un peu surchargé. On va vite se fatiguer là. Si on rentre pas vite. Ok, allez, on y va. Je pense qu'on va passer assez rapidement ces bâtiments parce que là, clairement. Damn, just like the truck. Yes. Quelque chose là. Petit tracteur, Farming Simulator. Oh, un petit atelier. Oh, un collier, c'est quoi ça? Pour prendre du petit gibier, mais c'est cool ça, c'est des pièges. Vous pouvez vous fatiguer à courir après les lapins en tentant de les assommer à coups de pierre. Ou bien opter pour une stratégie à plus long terme, les collets. Repérez les zones riches en lapins et posez un collet à la proximité que vous relèverez tous les jours. Avec un peu de chance, vous aurez pris un lapin. Vous pouvez en poser plusieurs pour augmenter vos chances. Sur le long terme, un territoire de piégeage peut constituer une excellente source de nourriture, mais prudence. Il peut attirer d'autres animaux. C'est vraiment cool ça. Petite hachette. On va prendre tout ça. Oh, mais ça c'est trop lourd. Et on prend. Et on prend. Merde. Ah, il est con lui. Putain, c'était scripté, je suis sûr. Merde, c'est qui? Holy shit. Attends. Oh le connard. Attends, pourquoi il y a marqué aucune maladie? Il y a marqué aucune maladie. Pourtant là je viens de me faire bouffer, non? Je sais pas. Bizarre. C'était scripté, je pense, hein. Merde. Faut que je retourne. La clé du coffre. On s'est fait avoir. J'espère qu'il s'est barré. Et la nuit va tomber. Hein. Encore quelques heures là. On va en vitesse ouvrir le coffre. On peut pas tomber d'épuisement comme ça au milieu de nulle part. C'est pas possible ça. Alors où était ce coffre encore? Il est dans le bureau là, ici.
Une note du nécessaire d'urgence. Une note trouvée en accompagnement d'un nécessaire d'urgence. Ce nécessaire d'urgence est distribué gratuitement par la Great Bear Earthquake Memorial Society. Notre travail à but non lucratif contribue à garantir un niveau de préparation optimal pour toute urgence future à Great Bear. Notre devise, garder le souvenir. I could use this. Des pansements, des allumettes à carton, des rations militaires, des fusées. Ah bah dis donc, mais je suis encore plus en surcharge maintenant, c'est super. Là maintenant il faut tracer au village. Pas le choix. On va tous décharger dans les maisons annexes. Putain, il fait chier là. Oh, comment le loup il se déplace? C'est un bug ça. Comment on peut prendre une fusée? Ah là. On va essayer la prochaine fois. Jette une fusée à la gueule. Putain ouais, je suis en train de m'épuiser tout seul là. Et du coup je perds de la constitution. Putain c'est pas cool ça. Hein. On va rejoindre la route. On ira fouiller ça une autre fois. Putain, il y a des loups là-bas, putain. Combien je suis là? Putain, 39 kilos sur 28. J'ai 10 kilos en trop sur moi. La route est là. Mais le loup aussi. Reste là toi, il m'a pas vu. Non, il m'a pas vu. Alors mais ça c'est juste des... Il y a un stylo à grains là. Des trucs de foin. Je crois qu'il n'y a rien à voir ici. Hein. Allez, on se barre. Au village. En espérant qu'il ne soit pas trop loin. Ah bah si, je crois que je vois une maison déjà là-bas. Le petit pont de bois. Ah bon, c'est pas... En fait, la fusée de détresse n'est pas considérée comme une arme. Il faudrait catégoriser nos armoires en fait. Mettre une armoire avec la nourriture. Page. Une armoire avec tout ce qui est craft. Mais bon. Vraiment qu'on se trouve une maison où on pourrait s'installer, où on aurait des casiers. Quoique en haut, chez la vieille, j'ai pas vu si je pouvais mettre des affaires. J'aurais dû regarder. Hein. Bah, tu vois, on est rentré, il fait pas nuit encore. Là. Il y a un loup encore une fois, quoi. On va essayer de le faire peur, mais il bouffe quoi là? Ah ouais, ça marche. C'est mon cerf. Ah mais ça sert à quoi franchement? On va rien prendre. Eh, ça marche bien. Ça fait fuir les loups.
on pourra pas tout ranger. Ah mais si, un tas de tiroirs. On va tout mettre là-dedans. Hein. Alors, déjà... les allumettes. Hop. Les médicaments. Pas besoin de ça, on a déjà 6 là qu'il faut faire. Là c'est pareil. Antiseptique, je peux les laisser là. Le bois de chauffage, pareil, pas besoin d'autant. Hop. Surtout qu'on en trouve de partout. Putain, on a vraiment trop de choses. Hein. Du coup, ça, ça vaut pas le coup. Faudrait le réparer. Les chaussettes, j'ai pas regardé, tiens. Et la chemise non plus. Le collet, ça, ça peut être intéressant. La ferraille, on laisse là. Oh, l'eau, il y en a beaucoup trop là. Ah merde, il est déjà plein le truc. On va prendre un autre tiroir, c'est pas grave. Genre, on peut ranger de l'eau là-dedans? On peut, hein. Oh. Hop. Allez, on y est presque. On a trop de fusées de machin là. On n'a pas besoin de tout ça. Pareil pour ça. Lapin cru, ça on garde. On n'a pas besoin de deux hachettes. On n'a pas besoin de deux nécessaires à couture. On a 9 bandages quand même. Pareil ça. On y est presque, on y est presque. Il faut encore se décharger de quelques trucs là. Le soda, putain. Du tissu. Des pansements. Ah, vraiment, c'est bizarre. Hein. Putain, j'ai mis 33. Ça sert à rien. Ah, il faut que j'aille dormir. Hein. Je sais pas si je peux dormir si j'ai trop de trucs sur moi. Je ne sais pas. Il est presque plein. Passons à celui-là. Euh, 29 sur 26, putain. Ok. On y est presque. Tout ça. Je sais pas de quoi je peux m'enlever, hein, des pansements. On n'a pas besoin de tout ça. Hein. C'est clair. Ça prend pas beaucoup de poids, mais ça c'est énorme, les rations militaires. On va mettre ça là. Ça aussi, ça prend de la place en fait. Voilà, on est presque bon là. Et du tissu. Allez, on met tout. Ah, c'est bon, on est bon. Allez, on retourne voir la vieille. Alors, puisqu'on est là, on va d'abord regarder le coffre numéro 20, vu qu'on a la clé. Voilà. Le truc ici est aussi un tas de... Oh merde, j'ai pas le code de celui-là. Ah mais si j'ai, c'est peut-être le même. Hein. Could end up being useful. Une loupe.
Oh, c'est cool ça. De l'argent pour cramer. Je suis encore une fois en surplus, putain. C'est vrai que ça, c'était quoi le code encore? Putain, je sais plus. C'est quoi le code du truc là? Oh merde, j'ai plus le. Si ça se trouve, c'est le même code que la grosse porte. C'est con ça. Bah, allez, on retourne chez Mémé. Commence à faire nuit. Alors laisse-moi tranquille. Allez, on sprint. Voilà. Did you find it? It was there, like you said. And your friend? No sign of her. The tunnel's blocked. Looks like maybe an avalanche. But I think she got through before that happened. Oh. If the tunnel is blocked, that's the end for Grandmother. So the tunnel is the only way through the mountains? No. Not the only way through, but my only way through. Grandmother is tired now. Let her rest for a while. Ah. Nouvelle mission. Grandmother semble plongée dans ses pensées. Retournez la voir quand elle se sera un peu reposée. Et bien sûr. Mais bien sûr, monsieur. On va aller voir en haut si on peut stocker des trucs. Hein. On est toujours plein. Ici, on peut pas stocker. On peut pas stocker. On peut pas stocker. C'est bizarre, on peut dormir sur les lits. C'est quoi ces trucs hein? On peut stocker nulle part des choses. On peut prendre l'eau des toilettes. Ah non. Ah non, encore pire là. Comme dans ce coffre, il doit y avoir des trucs plus sympas. Hein. On va faire un test. Par contre, on peut dormir dans le lit. Et quand il va commencer à faire nuit, c'est cool. Par contre, il faut, je crois, cuire. Attends, on est où là? Je suis perdu. Labyrinthe cette maison. On sort où? Là. Ah d'accord. On va aller cuire le lapin. Enfin le truc. C'était ça là. Lapin crurance. On va cuire ça là. 1h15. Ouais, donc là. Ouais, du coup, je peux plus rien mettre là-dedans. Au niveau des chaussettes. Ah, ouais, elles sont moins bien. Largement. Et si je jette ça ici, par exemple. Imaginons. Je jette ça ici. Donc, attends. Je jette la paire de chaussettes que je ne mets pas ici. Et je peux jeter. Je sais pas d'autres trucs. Genre du bois ou je sais pas quoi là. Ça là. Est-ce que.
Est-ce que je pourrais le prendre quand je veux? Ça se trouve, il suffit que je dépose tout par terre et c'est bon. Hein. On va aller dormir. 58 minutes. Parce qu'on a besoin de rien là, franchement. Juste du repos. On n'a pas trop soif, on n'a pas trop faim. Et la nuit commence à venir. Histoire de Milton, tiens. Tiens donc, l'étranger veut en savoir plus sur Milton. Oui, je suis curieux de ce qui s'est passé ici. Pour comprendre Milton, il faut comprendre l'effondrement. Oui, enfin, je suis au courant pour les séismes. On en a eu aussi sur le continent. Pas comme ici. Ah bon? C'est tout? J'ai 25 en confiance. Besoin actuel. Bâton, reishi, pansement, ration militaire, ouvre-boîte. Fourrure de lapin fraîche. Or, fourrure de lapin séché. Donner des objets. Ah bon? Ben, je peux, oui. Pansement. Reishi. Bâton. Ah ouais, à chaque fois... La vache. Même génération militaire là-bas, je pourrais lui donner, mais bon... Ça va jusqu'à combien la confiance, là? Fourrure de lapin fraîche. Ou fourrure de lapin séché. Je sais pas si j'ai ça. Attends, mais à chaque fois que je lui donne un bâton, elle me fait plus un, attends. C'est fou, ça. Not sure why I feel so tired. Mise à jour connaissance. Mise à jour connaissance. Mes connaissances. Individu, lieu. La vache. Objet. Action. Ah, c'est ça. Non? Confiance. Je sais pas, hein, qu'est-ce qui a été mis à jour. Connaissance. Je ne sais pas. Voilà, étude Astrid. Un étui trouvé dans le sac à dos d'Astrid. Ah oui, mais ça c'est tous les... Ah, mais c'est là les notes. Ah, mais c'est là qu'on va trouver le code. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il... C'est ça. Pourquoi ça sert tout ça de garder ça? Allez, encore 16 minutes. Après, on va aller se coucher. Et on va arrêter là. N'est-ce pas, Grandmother? Ah, elle veut pas. J'espère qu'un jour je pourrai déposer tout dans, dans tes armoires. Hein. Et voir dans ton frigo aussi, putain. Je peux utiliser son poids. Je peux pas fouiller, hein. C'est fou ça. Elle a pas assez confiance en moi, je pense. Non, là j'ai un peu de cassé. Je sais pas. Allez, on va attendre que le lapin cuise. On va manger. On va peut-être boire un petit soda et puis on va ouvrir. Ah, je suis pas encore dans le rouge, hein.
Allez, on mange le lapin. Voilà. On boit un petit soda à l'orange. Non, ça. Voilà. Et c'est bon, on va au lit. Ouais, on va dormir, je sais pas, 9h. Il fait encore nuit, il fait de ces conneries là. Encore 2-3 heures. La nuit dure longtemps. Hein. Ah. Ah, le joueur est en train de se lever, c'est cool. Ouais, donc on a soif, un peu faim, c'est cool. C'est bon, tu t'es reposé? I can't be here anymore. My friend is out there and she needs my help. Please, tell me how to find her and I'll do whatever I can to help you get out of here. There's only one thing left to be done. You need to put her to rest. Put her to... I'm not giving up yet. On the other side of town, there's a farmhouse. You'll find a key to a safety deposit box. Somewhere in j'ai déjà there. Pris, hein. Go to the bank and bring me the box that matches the key. Then you'll understand what happened to her. Wait, farm? Bank? What's this have to do with my friend? J'ai déjà tout pris. They left her, didn't they? She needed help. And they let her go. This is how we make it right. I don't understand. In the bank, you'll find the answers. Now go. Vous avez parlé d'une ferme. Oui, de l'autre côté de la ville, celle du vieux Barker. Barker. Oui, un menteur doublé d'un voleur. Ok, vous verrez. Vous avez l'air distraite, fatiguée, tout va bien? Je suis vieille, mon esprit a tendance à voyager vers d'autres lieux et d'autres temps. Je pense à elle, seule dans le froid. C'est de mon ami que vous parlez? Ils auraient dû l'aider. Elle est passée près du bus, j'en suis sûr. Vous avez senti sa présence? Je crois qu'elle m'a laissé un message, un mot, persévérance. Un mot venu du passé, pourquoi aurait-elle écrit ça? Aucune idée peut-être pour me dire qu'elle ne baisserait pas les bras. Ou vous rappeler de ne pas le faire. Il doit y avoir autre chose là-dessous. Pourquoi? Parce que vous êtes si important à ses yeux? Non, parce qu'elle l'a écrit de son sang. Il y a un village loin au nord, Perseverance Mills. Peut-être qu'elle vous indiquait où aller. Perseverance Mills, comment m'y rendre? Pour l'instant, impossible. En voiture, peut-être. À pied, je ne connais aucun trajet. Ah ben, dis donc. Parlez-moi de cette banque. Une banque de continent. Elle n'a jamais eu sa place ici. La plupart des banques sont bien sécurisées. Je ne suis pas sûr de pouvoir entrer. Celle-là fermée depuis des années, conséquence de l'effondrement. Qu'est-ce que vous faites pour l'argent? Certains utilisent encore les vieux billets. Le troc. Ça fait des années que je n'ai pas vu de billets. Qu'est-ce qu'il pourrait rester de valeur dans la banque? Ne me posez pas la question si c'est à vous de trouver la réponse. Rapportez-moi le coffre, après ça vous comprendrez tout. Mais j'ai le coffre. I'll see what I can find. J'ai le coffre, gars. Un objet cher à Greymother a été volé. Prouvez-le et rapportez-le lui. Cherchez la clé d'un coffre bancaire de la ferme de Milton, récupérez le contenu du coffre bancaire. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est fait, hein? C'est là. La 20. Et j'ai trouvé quoi? J'avais trouvé d'ailleurs dedans. Poste de Milton. Salle des coffres. C'est quoi encore? 19:30-08.
Oh, bizarre, mais j'y étais. Dans la clé numéro 20, là. On va y retourner. J'ai la clé numéro 20 du coffre. La mission est déjà faite. Je crois que c'est ça. C'est la clé numéro 20 que j'ai trouvée là-haut. Ouh, c'est pas sûr. Hein. Oh la vache, qu'est-ce qui se passe hein? Ok, maintenant on va voir c'est quoi cette histoire de coffre. Ou alors c'est une autre clé. Mais bon, j'ai tout fouillé à Hamilton. Enfin, à la ferme, je veux dire. Oui, il n'y a plus rien. Ou alors fallait juste que je parte et que je revienne. Alors. Non. Non. On peut le trouver comme ça. On peut le trouver comme ça en fait. Histoire de coffre là, putain. Il y a un sacré courant derrière là. Qu'est-ce que j'ai pris dans ce coffre là? C'est peut-être pas celui-là. Hein. C'est que je retourne à la ferme. Super. Bon, on va retourner voir la vieille. Peut-être que ça a déclenché la quête. Ou alors, peut-être que la clé du coffre a chopé maintenant seulement. C'est possible. Souvent, c'est comme ça que ça marche, les quêtes. J'ai tout fouillé là-bas. C'est vraiment bizarre, hein. Bon, on va y retourner. On va y retourner, tant pis. Truc là. Voilà. C'est bon pour vous. On va y retourner, je sais où c'est maintenant.
par là-bas. Mais bon, alors où j'aurais pris cette clé de coffre, je ne m'en rappelle plus. Attends, 5 minutes. Ah ouais, c'est là. Ah, c'est là qu'il faut que j'aille. Ah, attends. William Bowser. Quoi? C'est quoi tout ça là? Pourquoi elle me dit d'aller là? Ah, parce que là c'est la banque. Là. Alors je sais pas pourquoi elle me dit d'aller ici là. Oh, c'est bizarre ça. On va courir. Hein. Ah ouais. On fatigue beaucoup plus vite. Au moins là, on avance. Ça réchauffe. On voit rien du tout. On va couper parce qu'il y a toujours les loups. On va retourner à la ferme. Et dans le coffre numéro 20, on a trouvé quoi? De l'argent? C'est quoi? Des tissus? Je sais plus. Voilà. On y retourne à cette ferme. Allez. Faut trouver la clé d'un coffre. The old lady said the key was here somewhere. Ouais. On va essayer de fouiller. On a tout pris. Là où on pourrait fouiller. On doit être caché. Je n'ai pas trouvé, c'est qu'elle cache quelque part. Sûr. Là-dedans. Oh putain, je suis sûr que c'est là-dedans. Oh putain. I think I can use this. Retourner. La clé numéro 15, c'est parti. Comme quoi j'avais pas cherché partout. Hein. Allez, on retourne là-bas. En courant, bien sûr. Je mets du temps à récupérer quand même. Allez, on va aller à la banque. Je pense que la mission numéro 2 c'est à Perseverance Hills. Je pense que quand on quittera ce village là, le premier scénario s'arrêtera.
On va aller voir ce qu'il y a dans cette banque. Il n'y a plus de loup. Mais est-ce qu'elle était là la clé avant que je n'active la quête? Ça, c'est une bonne question. Allez, coffre numéro 15. Coffre bancaire de Greymother. Une boîte contenant l'objet volé à Greymother. Hope nobody needs this anymore. Et de l'argent. Il y a encore des. La 7, on n'a pas pu ouvrir encore. Les clés doivent être quelque part, mais bon, s'il faut tout fouiller, ça peut être long. Par contre, il y a un truc. Récupérer le contenu du coffre bancaire et rapporter à Greymother. Mais pourquoi sur la carte il y a encore ça hein. Alors ça, je sais pas ce qu'il a voulu dire par par là, mais il faut aller voir. Il y a une des maisons là qui a quelque chose dedans. Il faut aller voir avant d'aller chez Greymother. Maison doit pas être loin. On va y aller. C'est vrai qu'à partir d'un certain endroit, j'ai arrêté d'explorer. Donc c'est peut-être ça. Hein. C'est la dernière maison que j'ai explorée. Donc peut-être que par là, ici, il y a quelque chose. Ah, mais c'est peut-être là le pied de biche, non? C'est pas sûr. Non, c'est pas là. C'est quelque chose ici. J'ai fouillé ici. Best be prepared for anything. Qu'est-ce qu'il y aurait là-dedans? Nourriture pour chien. Bien sûr. What have we here? Une boîte de café. Ça ne sert à rien aussi. 24 kilos sur 30, ouais. Putain, il y a un frigo ici. Il n'a pas cuit. Là. Il n'y a rien. Je secours ici. Use this. Je pensais que c'était Astrid, mais non. Allez, on part d'ici. C'est pas ici.
Donc ça doit être à côté. Ah non, mais c'est peut-être ça. Je crois que c'est là-dedans que j'ai trouvé le pied de biche, non? Ah non, il y a une note là. C'est peut-être ça. Note sur une cachette de Milton. Salut ma belle. Le vieux Schnock Dorka a laissé la porte de derrière ouverte. Du coup, j'ai pu entrer choper 2-3 trucs dont on aura besoin pour le trajet. Vivement qu'on rejoigne le continent ensemble. Là-bas, toi et moi, ce sera officiel. On se retrouve demain soir à l'endroit prévu. J'ai caché nos affaires près du grand arbre, dans le marais derrière Saint-Christopher, là où on s'est rencontré le jour où on a bu l'alcool de contrebande de ton père. Tu te souviens? L'église de Saint-Christopher, j'ai déjà été visité là-bas. J'ai caché nos affaires derrière le grand arbre dans le marais. Ok. C'est peut-être ça, en fait, le truc. Voilà, mission à jour. Une mission annexe. La clé du coffre. Ah, c'est ça. Trouvez les notes indiquant le remplacement. Suivez les instructions de la note pour localiser le cache de provisions. Ok. Je sais pas ce que c'est noté. Ah, je suis rentré quand même. Ah, mais c'est ça. Provisions cachées de 1000 tonnes. C'est peut-être une ancienne mission de Gleman. Attendez-vous de la station service à la recherche de provisions, j'ai pas fait ça. Non mais je vois pas en fait c'est quoi la mission, je vois pas du tout. J'ai déjà ouvert. Ça va par là-dedans. Je ne sais pas du tout ce qu'elle veut dire par ce point d'exclamation. This will come in handy. Des écharpes là, il y a des trucs là-dedans. La fusée, le petit soda et la petite barre. Un truc à l'arrière, je sais pas quoi. On peut pas rentrer non plus. Hein. Je ne sais pas. C'est tout. Ben je ne sais pas à quoi correspond ce point d'exclamation, c'est fou. Hein. Allez. Donc là, tu penses c'est la fin de la quête. Did you find it? Here's the safety deposit box from the bank. I still don't understand. Shh! Give me the box. You sent me to steal jewelry for you? You said this would help me find her. Have faith, outsider. It will. I'm finished with this. I'll find my own way out of here. Then you will die like the others.
Just one more task for Grey Mother. Man who fell from the sky. And then you'll get the answers you need. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Mais c'est vrai qu'elle n'arrête pas de nous demander des trucs. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? What's this last thing you need from me? Right or wrong from the past, outsider. That's all I ask. How can I do that? Take these pearls to Lily. Lily? Qui est Lily? Moi qui croyais que vous parliez de mon ami depuis tout ce temps. En fait, elle parlait de Lily, quoi. Qui est Lily? Vous la trouverez au cimetière. Au cimetière. Près de l'église. Vous avez dû passer devant en entrant dans le village. Pourquoi m'attendrait-elle près de l'église? C'est absurde. C'est là que vous la trouverez. Et vos réponses avec. Bah, elle est dans le cimetière, à mon avis, elle est enterrée. Hein. Pourquoi m'avez-vous poussé à voler ces perles à la banque? Pas à la banque, à Barker, le fermier. Le fermier nous a quittés. Il a suivi les autres lâches. Non, il est mort, dévoré par les loups apparemment. Triste fin. Bon, j'espère que ça m'aidera à trouver mon ami. Oui, donc il n'y a plus qu'à faire. Aller à l'église. Et aller à l'église et puis voilà quoi. On va sauvegarder. Et on va arrêter là pour l'instant et on va continuer après, je pense. Non, je veux quitter. Oui, je veux quitter. Parce que là, on a bientôt fini ce premier scénario.